Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Aujourd'hui on se retrouve pour des mini-figures. On avait déjà fait les Simpsons, on avait déjà fait une autre série je crois. Les Simpsons série 2, Simpsons série 1. Oui. Et je vois qu'il y a des collaborations assez stylées sur les mini-figures Lego, ben on prend. Et du coup là c'est Disney. C'est un truc de fou, et Disney. Regardez, il y a le crochet. Genre le grappin. Mais il y a le grappin de Toy Story, et il y a Buzz Éclair, il y a aussi Stitch de Lilo et Stitch, Peter Pan, Donald, le chat dans Alice au Pays des Merveilles, Maléfique et Monsieur Indestructible, et il y en a 18, donc il n'y a pas tout là. Il n'y a pas tout. Donc on va découvrir avec vous, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, à part celles qui sont devant, donc forcément celles devant, on voit c'est quoi. Et du coup, c'est parti pour cette petite ouverture, donc les packs sont plus chers. Les packs sont plus chers, donc là on en a 10. Parce qu'en fait les packs sont plus chers que la normale, je pense c'est le fait que ce soit la licence Disney. Bon après oui. Ça peut s'expliquer parce que 2,50€ à peu près, là on a payé 3€. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Allez, je prends une pièce au hasard. Oh genre. Quoi? Dès le début. Quoi? Oh, c'est celui qu'on veut. Oh yeah. Yes. Oh. C'est celui qu'on voulait, en acheter tout ça pour lui. Lui. Qu'est-ce qu'il y a? Avec le corps. Il est là. Ah, il est là. Oh là là. Je me dis, il n'y a pas le corps. Et vous voyez, ça, ça vaut le coup parce que c'est une figurine même qui est unique. C'est-à-dire qu'ils ont fait un moule Lego exprès pour cette figurine. Et regardez, franchement, la taille, elle est trop trop bien. Enfin, c'est exactement comme il faut. Il n'y a pas d'accessoire sur celui-là. Il n'y a pas d'accessoires? Non, il n'y a pas d'accessoires. Donc il y en a peut-être certains qui ont des accessoires. Je cache juste la liste parce que Kim elle a regardé. Oh, j'hallucine! J'en étais sûre que tu l'as mis sur le côté juste pour pas que je regarde. Ouais, si on voit certains personnages. Moi j'en ai vu un, je me suis fait spoiler sur un qui passe sur le paquet. C'est vrai? Oui. Oh, il est trop bien. Il est super génial. Ah ouais. En plus, on a déjà le Tsum Tsum en grosse peluche. On a le Tsum Tsum en tout petit. On a un Tsum Tsum en Kinder aussi là. Et on a du coup ce crochet là et il me semble qu'on a une peluche. Oui. Oui, celle-là qui est à droite, on l'avait acheté à Majorque. À Majorque, du coup, on a des petits objets de lui et c'est trop bien. On essaie d'accumuler des objets de lui, mais c'est vraiment pas évident à trouver, donc du coup. Ah oui. Ah, allez, je vais me spoiler comme toi, tu t'es spoilé. Voilà. T'as vu, c'était qui? Oui. C'est une blondasse. C'est une blondasse. Vas-y, c'est un seul truc. Yeah! Oh, indestructible. Mais non! Quoi? Captain Crochet! Non. Ouais, c'est oh lui. Yes. C'est énorme son chapeau. Mais oui. C'est énorme. Yes. Il y a plein de trucs. Regarde. Oh yes. Stylé. Il est moins beau que dans Once Upon a Time. J'espère qu'on aura Peter Pan. Comme ça on pourra le mettre avec. Oui. Regarde. Yeah. Eh, c'est pas mal hein. Ouais. Franchement pour une petite figurine Lego. Tu l'as mis de travers la tête je pense. Oui. Oh, hein. Bah il y a la mèche devant les yeux. Mais il aime bien mettre sa mèche devant les yeux. Le chapeau, il est énorme. Ouais, il est énorme. Et en plus, il y a un accessoire, forcément. C'est son épée. Et le crochet. Et le crochet. Le crochet. Par contre, il est un peu grand par rapport. Mais c'est un peu ça, non? C'est le copain du crochet. Regardez. Voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Captain Hook. Ça c'est plutôt cool, donc il y a plein d'univers, donc il y a Toy Story pour l'instant, Peter Pan. On a vu quelques autres sur les boîtes, on a Mickey. Il y a Mickey, Donald. Bon, Mickey c'est peut-être le moins pas plus intéressant, mais. Qu'est-ce que j'ai vu un truc. Non, j'arrête. T'es fou? Oui. Ah, bah là, je suis indestructible. Parfait. En fait, j'ai prédit ce qu'il y avait dans l'autre paquet. Yes! Quoi? Oui, c'est bien lui. Ah, j'ai oui. hésité parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a la fille ou le petit garçon. Et non. Et c'est celui qui est indestructible. Donc, par exemple, lui, c'est stylé. Ouais, parce que le film va sortir bientôt. Ouais. Mais c'est une figurine qui coûte beaucoup moins cher. Pourquoi? Ah oui. Bah oui, parce que ils ont pas fait de Lego n'a pas été obligé de créer un moule exprès pour faire ce personnage. Ils ont juste réutilisé des pièces qui existaient déjà et ils ont customisées. Par exemple, la coiffure existe, je pense, pour un autre personnage. Alors que là, pour la pièce de la tête, ils ont été obligés de créer un moule. Pour faire un truc plutôt stylé. Bah, c'est pareil, et identique le pour le chapeau de crochet. Ouais. Qui même est pour unique. Ses cheveux, ça se trouve. Mais non, mais c'est collé. Ah oui, oui, bon, donc pour ses cheveux et son chapeau. Du coup, bon, celle-ci est quand même classe, mais c'est une figurine. Il tient quoi dans la main? Un livre? Il lit un livre sur. Drawing
Ah, mais oui, c'est quand t'as les super-héros, justement, au départ. C'est le vieux, quand il est au tout début, tu sais, on voit dans le passé, il a ce vieux costume-là et il fait la justice un petit peu. Après, il se fait incarcérer parce que justement, les gens sont pas contents, parce qu'il a détruit. Bah, c'est un peu le même problème qu'il y a dans tous les super-héros en ce moment. C'est le peuple dit qu'en fait, les super-héros, ils sauvent pas, ils tuent des vies. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu ça en ce moment, avec entre Superman. Oh là ! Une tête. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Une tête de fille. Une tête de fille qui sourit, c'est pas sur la boîte, hein. Enfin, c'est pas sur la présentation. Oh, oh, c'est Ariel. La petite sirène. Oui, trop énorme. Bien. Comment ça, il y a plein de trucs. Bah, il y a plein de trucs. Voilà. Il y a sa queue. Il y a la perruque, il y a un coquillage. Il y a un coquillage. Je suis désolé pour la mise au point, mais elle est capricieuse. Oui. Alors. Il y a un flacon. Il y a un soutien-gorge en coquillage. Mais oui, on aurait pu la reconnaître quand même avec la tête comme ça, avec le rouge à lèvres, Disney. Bah ouais, toutes les princesses elles sont un peu pareilles. Hein. Énorme. Yes. Et le bas. Donc ça, je sais pas si ça existe des sirènes dans les. Ah si, je pense. Oh, mais c'est plutôt stylé quand même. Et il y a même un joyau. Ouais. Dans le coquillage. Bah oui, c'est ça. Donc fallait pas fermer le coquillage tout de suite. Voilà, tu peux le rouvrir. Va le rouvrir en plus. Bon, bah tant pis. Bon, il y a un petit accessoire sur celle-ci. Et si je fais bien, voilà. Et tu peux mettre le coquillage. Bah le coquillage, je peux le mettre si je la décale, je pense. Sinon, ça va me gêner. Voilà. Si je veux mettre un coquillage à côté. Et du coup, elle peut même le tenir avec ça. Et normalement, il y a le joyau qui va à l'intérieur. La pierre philosophale d'Harry Potter. C'est ça. Bon, c'est plutôt cool, pas de double. Pas de double. Pour l'instant. J'espère qu'on va pas en avoir double. Hein. J'espère qu'on va pas avoir double. Parce qu'on a quand même 18 chances. Attention, tout d'un coup. Attends, juste un. Une bouteille. Qu'est-ce que ça peut être? Une bouteille. Une bouteille avec marqué Drink Me. Ah, mais si! Mais bah, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est Alice. Mais oui. Au Pays des Merveilles. Bois-moi, mais oui. Mais oui, c'est sur au la début, table, et du coup, elle devient minuscule. Mais oui, c'est vrai. C'est ça, hein? Mais oui, c'est ça. Yeah! Alice! Au pays des merveilles! Vas-y, franc! Ah non, elle est là! Ah bah, c'est la même tête! Il a perdu sa tête! C'est la même tête que la petite sirène! C'est la même! Non, c'est pas tout à fait la même! Et les sourcils! Ouais. Bah, les sourcils ils sont bons! Du coup, elle a une méga perruque trop la balle! Avec un petit sur-tête trop mignon! Et. Le Drink Me avec le bouchon. C'est un bouchon ça? Bah je pense. C'est pas un gâteau plutôt? C'est plutôt à manger, mais si, quand elle mange à manger. Quand elle mange à manger? Mais non, mais si, c'est un gâteau je pense. Bah, c'est plus un gâteau. Bien sur le... Voilà. Voilà, Alice est bien de merveille. Plutôt pas mal, c'est pas plutôt coloré. 5 pas de double. Je vais mettre là comme ça vous les voyez un peu. Voilà. C'est l'armée. L'armée. 5 pas de double. Alors on a bien pioché dans le terrain, parce qu'il y en avait plein. Hein. Il y en avait plein, il y en a 18 à collectionner, donc du coup... Juste un. Oh ah bah c'est Stitch. Oui, t'as triché en regardant sur le paquet. Oui, quoi. Bah oui, mais je voulais être sûre que... Alors, cousin. C'est ça qui fait. Oui, parce que ça se passe à Hawaii. Et c'est le plus beau. Il est super, super méga bien fait. Alors je sais pas s'il y en a des Lego Stitch... Oh, ça me dit rien, moi. Mais regarde. Ah, il est trop beau. Il est trop mignon. Il est super beau. Oh, il est trop mignon. La tête, elle est super bien faite. Mais à la limite, il est plus mignon que le grappin. Si on devait comparer. Ouais. Bah, le grappin, il fait humain, en fait. Ouais. Il fait pas tout petit. Mais lui, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Tant mieux. Je pense que c'est ses grandes oreilles qui fait... Et regarde derrière. Ah, il est bien. Trop mignon. Bon, lui, il a pas d'accessoires non plus. Mais il est beau, hein. Il est beau ce style. Bon, ça, on a eu deux stylés qui étaient sur le paquet. Ouais, c'est ce qu'on voulait. Moi, je veux Buzz l'éclair. Oh, bah encore. Oh, bah la femme de l'indestructible. Le méchant de l'indestructible. Ah, c'est enfin, la femme. Ah, mais oui. Le méchant. Je sais comment il s'appelle. Oui, comme j'ai vu les cheveux longs, roux, je me suis dit que c'était sa femme, mais non. Elle est pas rousse. Ça ressemble trop à la tête. Ah, ouais, grave. Qu'est-ce que tu fais? Bah, la cape, ça serait bien. Ah, oui. La cape de Harry Potter. Attention. Yeah. Ah, mais c'est pas possible. J'aime pas mettre ces capes là. J'en ai mis plein des capes comme ça avec tous les Lego Harry Potter que j'ai.
U qu'on a eu avec mes frères, mais ça c'était chiant à mettre. Oh là là. Regarde. Oh là là, le pauvre petit chou. Ah, mais c'est pas. Mais c'est pas possible. En plus, je le fais à travers la caméra, alors c'est encore plus dur. Voilà. Mets la tête vite, vite, vite. C'est bon. Vite la tête. Hop là, voilà. Ah, trop bien. Et sa perruque qui est ultra haute, forcément. Ah, Super Saiyan quoi. Ah, ils ont pas faire des Lego. Des Lego. De Dragon Ball. Bah ouais, avec cette coiffure là. S'ils l'ont créé, ils peuvent le faire. Et du coup, ça c'est le truc. Après, c'est une question de droit. Et de politique. Ah oui, bah oui, c'est sa boule là. Tu sais, la boule avec des pattes justement contre quoi il se bat et qui anéantit. Quand on l'envoie, elle est indestructible. Ouais. Ça fait longtemps. Je l'ai vu une fois au cinéma il y a longtemps. Bah, quand il est sorti. Ouais. Et du coup, ils vont se battre. Ils ont tous les deux un livre. Ils ont tous les deux un petit slip. Un plan ou un petit slip. Un petit slip. Bah, c'est des super-héros. Il en reste que trois. Non, non, non. Moi, je veux... Buzz Lightyear. Lui, il a l'air gros. Si c'est Buzz l'éclair, c'est trop de la balle. Attends, oh, sors un truc. Le gros ou... Un petit. Un petit, un petit. Oh non. Oh non. Oh non, une double. On n'a rien vu. Oh non. Ça pue des fesses. On n'a pas de gros. Oh non, on n'aura pas Buzz l'éclair. Oh non. Oh non. Bon, elle était obligée, hein. Il n'y en a que 18. Hein. On a oh plus non, 10. Oh non, hein. C'est un double. Oh. Oh. Aladdin. Oh. Ils ont fait Aladdin. Prince Ali, oui, c'est bien lui. Bah oui, forcément, l'accessoire, la lampe des génies. Mais oui. Ah, c'est trop bien. Ils ont fait Aladdin. En plus, on a écouté la musique juste avant. Ouais. Énorme. Apu. Apu. Il n'y a pas Apu, son singe. Apu. Apu. Yeah, la classe. Énorme. Beau gosse. Ouais, c'est énorme. C'est Kev Adams. C'est Kev Adams. Ouais. Ta-da. Eh. Prince Ali. Ça envoie du pâté quand même. On a du Toy Story. Du Toy Story. Du Alice, Alice au Pays des Merveilles. Du Indestructible. Peter Pan. Du Peter Pan. Du Lilo et Stitch. Et de la Petite Sirène. Et il nous en reste un. Ah et, bah c'est pas... Et c'est pas... C'est pas Buzz l'éclair. C'est pas Buzz l'éclair, je suis trop triste. Moi je le voulais absolument quoi. Je suis vraiment trop triste. Surtout que les figurines comme ça, acheter à l'unité, c'est vraiment du vol. Pourquoi? Ces gens genre, ils vendent 8€ quoi. Là, lui, si tu ah veux oui, acheter, sur internet. Oh, oh. Oh. Oh mon dieu, c'est un dessin que j'adore. Je rigole. Ah je sais. Ce qu'on va faire. Ah, c'est qu'on va regarder et on va dire ce qu'on veut. Alors, il y a le chat... Oh, il y a le génie. Il y a le génie. Oh, le génie, il est stylé. Maléfique, elle est stylée. Il y a la méchante Ursula. De la... Ursula. Moi, je veux Maléfique. Moi, je veux... Ils ont même pas fait Woody, quoi. Moi, je veux Maléfique. T'es prête? Oui. 1, 2... Ah. Ah, bah non. Ah, bah le chat. C'est une ah, bah non, c'est une explication de tout. Ah, bon, Buzz l'éclair. Oh, mais on ira le chercher. Pas un doux. Peter Pan. Oh yes. Rêve la vie en couleur, c'est le plus grand du bonheur. Pa 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 pa. On s'envole, on s'envole, on s'envole, on s'envole. Ah, il est trop bien. Prêt à décrocher la lune. Et pourquoi il a deux couteaux? Mais je crois qu'il a deux couteaux. Ah, ouais, bah, il a un couteau de chaque côté. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur l'image, c'est en gris alors que nous, on les a en doré. Je sais pas si tu vois. Non. Non. Attention, attention. Et franchement, ça, on a eu une seule double, on a eu beaucoup de chance. Lily la tigresse. Rêve ta vie en couleur. Trop bien. Et franchement, il envoie du pâté parce que regardez son petit chapeau avec les oreilles, c'est super bien fait. Donc là, je pense que c'est une pièce exclusive aussi. On a eu qu'une double. On a eu une seule double, mais c'est plutôt cool. Et on a eu que des dessins animés qu'on adore. Oui. Bon, en même temps, Disney, il n'y a pas trop de risques. Il n'y a pas trop de dessins animés où on n'aime pas. Et qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir encore? Bah moi j'aimerais bien Buzz l'éclair. Moi Buzz l'éclair, bah le génie, Maléfique aussi. Et Stitch, il est tout seul, c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Bah le génie, il est trop classe. Le génie, Maléfique et Buzz. Ouais. Il faut qu'on les trouve. Regardez-moi ça. Ta-da! Ouais! Aladdin, il est trop classe.
Prince Ali, oui, c'est bien lui. En plus, enfin, les Lego, c'est quand même des jouets super, de super bonne qualité. Et mis sur le Stitch. Moi, c'est la plus mignonne de toutes, c'est Stitch. Honnêtement. Et la mieux faite, c'est... Bon, je dirais Aladdin, Peter Pan. Ah, parce qu'on les reconnaît bien. Je sais pas, on les reconnaît tous bien. Même peut-être celui le moins bien fait, je dirais, c'est lui. Ouais, parce qu'il est plus, parce que normalement, il est ultra mastoc. Et là, il a juste une petite perruque. Alors, quand on le met à côté de son pire ennemi, qui est normalement petit, ridicule, il fait un peu pareil. Limite, il fait moins imposant. Ouais. Mais bon. Et puis, il fait vieux avec tout dégarni, bizarre, mais il est comme ça dans le film aussi. Du coup, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime. Et on vous dit les crochets. Voilà. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez. Salut. Salut.